Coucou. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens de me réveiller. Alors, pour cette semaine, j'avais pas trop de contenu à vous proposer. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un vlog aujourd'hui de ma journée, vous montrer un peu comment se passent mes journées en ce moment en télétravail. De plus, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Donc voilà, ce qui veut dire ouverture des calendriers de l'Avent. J'ai hâte. Et également, du coup, aujourd'hui, ça fait 2 ans avec mon chéri. Alors, donc du coup, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Je mets toujours 3 réveils. Et je me lève toujours au deuxième réveil. J'ai un réveil à 7h30, à 7h45 et à 8h. Donc, c'est vers 7h45 que je me lève. Voilà. Mon petit ami se lève très très tôt et il s'occupe de Noakao. Donc Noakao, j'ai pas à la promener normalement dès mon réveil. Je la promène dans la matinée généralement quand elle me le réclame. Et en fait, à chaque fois après sa balade du matin avec mon copain, elle me rejoint dans le lit. Et puis du coup, on dort un peu ensemble. Voilà. Donc on a la Miss juste ici. Moi c'est mignon. À chaque fois il fait un petit truc comme ça. Il me prépare mon petit déjeuner. Donc voilà, à chaque fois quand je me lève, ce que je commence par faire, c'est aller dans la salle de bain pour me réveiller un peu. Et du coup c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc voilà, du coup je me lave le visage, je porte comme d'habitude mes gouttières sur mes dents, donc je retire mes gouttières pour la journée. Et voilà, donc je lave mon visage avec ceci. Hop, c'est un petit savon anti-pollution. Voilà, bref, c'est un petit nettoyant visage. Et je mets du coup une crème avec un contour des yeux. Enfin bref, en tout cas, je mets cette crème-là que ma cousine m'a gentiment donnée. Donc cette crème-là de jour. Et normalement, j'ai le contour des yeux qui va avec, qui est juste ici. Voilà. Voilà, donc comme je suis en télétravail, je fais que ça. Je lave le visage, je mets mon contour des yeux et puis après je mets ma crème de jour. C'est tout. Bon, maintenant je vais m'habiller. Je reste pas longtemps en pyjama en fait, parce que déjà j'ai un pyjama d'été et j'ai un peu froid. Donc là je vais m'habiller. Voilà, en télétravail, je préfère être un peu habillée. Je vais pas non plus m'habiller comme si j'allais sortir toute la journée. Je reste en tenue de sport, quelque chose de très confortable. Je me lave pas ce matin parce que je vais faire du sport dans la journée certainement. Hier j'ai fait 20 minutes de vélo chez le kiné. Donc hier on était lundi, aujourd'hui on est mardi. Mardi 1er décembre, j'ai déjà dit. Et donc je fais du sport quasiment tous les jours. Aujourd'hui, je devrais peut-être aller courir, mais je sais pas, on verra selon ma motivation. Donc, du coup, je ne me lave pas ce matin. Je le ferai du coup ce soir. Donc, voilà, vous allez voir aussi du coup ce que je fais un peu comme sport. Donc, voilà, je suis prête. J'ai fait une grande queue, enfin, une queue de cheval assez haute. Parce que de toute façon, mes cheveux, il faut que je les lave ce soir. Et pour faire du sport après dans la journée, ça sera mieux. Je serai moins embêtée. Maintenant, ce que je fais, pour l'instant, je déjeune pas. J'ai pas la faim qui vient. Je vais juste boire un grand thé vert à la menthe. Là, je vais allumer l'ordinateur. Comme ça, il sera déjà prêt pour 9h. Je commence ma journée à 9h. Il doit être 8h15, 8h20. Là, je me lève quand même assez tôt. Voilà, j'aime pas en fait me lever à la dernière minute, être directement sur l'ordinateur. Je trouve qu'on perd du temps après pour se changer, etc. Là, moi, au moins, je suis prête pour attaquer la journée toute entière.
Donc voilà, donc là j'allume l'ordinateur, comme ça il sera déjà allumé, je gagne du temps et voilà. Donc, je galère avec la souris et la main gauche, pourtant je suis gauchère. Donc, j'ouvre ça. Enfin, bref, de toute façon, vous verrez. Mais voilà. J'ouvre plusieurs pages internet dans que j'ai besoin. Ici, je mets à jour. Donc, c'est Skype pour parler avec l'équipe. Et voilà. C'est allumé. Donc du coup, on va faire correctement pour que vous voyez bien. Donc il y a deux pages de PrestaShop que j'ouvre. Après, j'ouvre le site sur lequel je travaille actuellement. Bam. J'ouvre après ici un correcteur d'orthographe en cas de besoin. J'ouvre ici une page Google où c'est Noël, parce qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur des produits de Noël. Et voilà, ici la page qui est là, la seconde page de Presta, je vais la mettre en produit. Et en fait, je vais aller jusqu'à ma partie à moi, comme ça je suis déjà prête, je suis déjà sur la bonne page. Donc je pense que je suis sur la page 4, donc je vais aller jusqu'à la page 4. Voilà comment je m'organise en fait le matin avant de commencer à 9h. Alors, toujours avant de peut-être passer au petit déjeuner et du coup à l'ouverture des calendriers de l'Avent et au cadeau pour nos 2 ans de couple, je fais toujours la vaisselle de la veille si je ne l'ai pas faite, si on l'a pas faite. Parce que voilà, par flemme et parce que du coup, comme je suis à la maison, je peux très bien la faire le matin tranquillement. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais faire la vaisselle. Comme ça sera fait. Comme ça, j'ai une maison propre, ordonnée pour commencer ma journée. C'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai 2 calendriers cette année, comme souvent. J'ai Yves Rocher qui m'a été offert par mon chéri. Et j'ai celui de Birchbox, pardon, qui est maintenant Blissim. Enfin voilà, ça a récupéré apparemment son nom d'origine. Bref, je ne l'ai jamais testé celui-ci, donc c'est une grande première. Donc voilà, c'est parti. Si vous voulez voir tous les jours l'ouverture de mes calendriers de l'Avent, venez sur mon compte Instagram. Parce que là, je vais pas faire de vlogmas. Non, non, du tout. Donc venez sur mon Instagram pour voir tout ce que j'ai reçu par jour. Voilà. Et là, je vais vous montrer du coup seulement le premier. C'est parti. Alors, cette année, Yves Rocher se sont vraiment, mais vraiment améliorés. Il est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. L'année dernière, j'avais été très, très déçue, déjà par le design, mais également par la qualité des produits à l'intérieur. Enfin, en tout cas, par les produits à l'intérieur en général. Là, je croise les doigts, mais je pense que franchement, ils se sont améliorés parce qu'il y a énormément de gens l'année dernière qui les avaient critiqués. Et rien que déjà le calendrier de l'Avent, je trouve ça super cool. Ça mérite tout simplement un grand bravo. Voilà. Alors, c'est trop cool. On a une explication du produit juste avant de le découvrir. Donc, je trouve ça vraiment génial. Donc, rien que pour ça, encore une fois, bravo. C'est la première fois qu'ils le font. Et du coup, super, super. Je suis trop contente. Ah non! J'ai trop cru que c'était une crème des mains. J'allais être trop contente parce que j'en ai plus. Mais bon, c'est pas grave, je sais qu'il va en avoir à l'intérieur. Le packaging, il est très très beau. Je sais pas c'est quoi ce produit. Je le connais pas du tout chez eux. Mais déjà, je trouve ça magnifique. Je trouve que le format 30 ml, c'est parfait. Et donc là, c'est un gommage du coup pour le corps, mais peut-être aussi pour le visage. Voilà, ouais, non, c'est pour le visage. Donc c'est un gommage pour le visage, c'est parfait. Franchement, je suis trop trop contente. C'est fait en Bretagne. Non, top top top. Franchement, bravo pour ce premier jour. Et donc celui-ci, l'immense calendrier. Hop, il est très très beau. Mais il est immense, immense. Voilà. Alors le premier, il est là. C'est un vernis. Je connais pas la marque. Il est très joli. Ah, il est pailleté. Alors, attendez. Il est très beau. Je crois que je vais me le mettre sur les pieds pour les fêtes. Parce que je vais faire mes ongles par
par une pro pour les fêtes. Mais du coup, ouais, il est très très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà nos cadeaux pour ce soir. Du coup, quand il rentrera du travail, on va se les offrir. Donc moi, je lui ai acheté deux pulls. Il sait très bien c'est lesquels. Donc voilà, lui, il y a deux pulls et moi, un parfum. Et je sais aussi très bien c'est lequel. Donc voilà. Alors, l'heure avance vite. Il est 8h45. J'avais préparé hier des vidéos. Voilà, hier soir tard, des vidéos pour aujourd'hui, bah, du coup, lui fêter sur les réseaux sociaux un joyeux 2 ans d'amour. Donc là, c'est ce que je vais faire ce matin, là, rapidement. Je vais les poster, puis je vais l'identifier. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur mon compte Instagram, Prétigo. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, mine de rien, le temps passe très vite. J'ai fait toutes les publications. Je continuerai après sur les autres réseaux sociaux. Là, du coup, je me suis fait quand même un thé. J'ai eu le temps, donc je me suis fait un grand thé à la menthe et je vais le boire devant l'ordinateur parce qu'il est l'heure. Allez, c'est parti. Waouh, bah là, je suis un peu dégoûtée. Heureusement que je fais cette vidéo au final parce que c'est mon dernier jour de télétravail. Je viens d'apprendre, là, j'ai eu mon directeur au téléphone et au final, il faut qu'on revienne au bureau. Je m'y attendais pas du tout. Franchement, je suis très très dégoûtée parce que je me plaisais trop au travail. Ici chez moi, je travaillais beaucoup mieux. Et du coup, là, ils sont débordés. Il faut qu'on les aide en logistique et en comptabilité. Donc, c'est pour ça qu'on doit revenir demain à notre poste. Waouh, je suis deg, je suis trop dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. Ça va faire super drôle à ma chienne qui est habituée bah, d'être avec moi au quotidien, d'être promenée à midi. Voilà, je suis trop dégoûtée. Je sais pas. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment dégoûtée. Bon, après cette nouvelle, la journée n'est pas exceptionnelle. Enfin, on est encore le matin, il est encore tôt, mais je le sens que c'est pas exceptionnel. Je vous reprends vite fait pour vous dire que ce midi, je vais aller courir. Ça va me faire du bien. Je vais évacuer tout ça. Donc voilà, ce midi, je vais aller courir. Donc vous verrez en fait. Que je cours le midi des fois quand je suis en télétravail, mon dernier jour de télétravail, on est contente. Donc voilà, ce midi je vais aller courir un peu parce que j'ai qu'une heure, donc un peu avec ma chienne et voilà, ça va nous faire du bien, ça va me faire du bien. Donc vous verrez tout ça tout à l'heure. Allez, je retourne travailler. Voilà, il est 13h, c'est terminé. Chaussures et c'est parti pour la course à pied. Donc, du coup, j'ai mis ma veste. Let's go! Motivation! Voilà, j'ai fini. C'est speed le midi à chaque fois. Parce qu'au final, je reprends à 14h, mais ça passe très vite. Oui, je cours à côté d'un cimetière, c'est pas très gai. Je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Donc là, voilà, c'est bon, j'ai fini. J'ai pas couru beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai dû courir 3 km à peu près. Donc voilà, là, il est déjà passé 13h30. Donc je retourne vite me rafraîchir. Ce soir, je vais refaire du sport. Je ferai des squats, je pense. Donc voilà, là, je vais vite rentrer, me rafraîchir. Et puis, du coup, boire mon shaker. Et puis voilà, et reprendre l'après-midi. Et je finis à 17h. Donc, on se retrouve plus tard dans la journée. Allez, ciao! Alors, je vais vous montrer ce que je fais comme shaker. En fait, je mets de la protéine, donc de la whey. Je mets du coup une cup complète. Je mets du lait jusqu'à 250 et je rajoute en fait quelques fraises tout simplement et je bois que ça le midi. Le midi je mange que ça.
Ça me tient au cœur, au corps, pardon. C'est suffisant. Et pourquoi je fais ça? Je fais ça depuis un petit moment déjà, même plus d'un mois, je crois. Et oui, c'est ça, plus d'un mois. J'ai commencé en septembre, je pense. Et c'est ce qui m'a fait vraiment perdre du poids. Ça m'a vraiment aidé pour sécher, pour perdre du poids. Au final, ça fait un complément de protéines parce que j'en mange pas beaucoup. Et bah, c'est très bon. Et jusqu'à maintenant, je me sens très très bien avec ça. Donc bah, voilà, je me dis pourquoi arrêter. Et donc voilà. Santé! Oui, donc j'aurais mis un fil tout au long de la vidéo. Désolée, mais ma tête sans maquillage, en mode sport, non. Non, merci, je préfère mettre un filtre. Allez, on repart bosser! La journée se termine très bientôt, donc je continue encore un peu à travailler. Après, je pense que je vais vous laisser. Je vais certainement faire du sport après. Voilà, je vais faire du sport. Je vais aller laver ma voiture parce que comme du coup demain je retourne au travail, au bureau, donc il faut que je lave ma voiture. En même temps, je vais aller prendre ma chaîne. Je vais voir ce que je peux vous filmer. Voilà, mais en tout cas, je tenais là à vous prendre, vous dire peut-être déjà bye bye et qu'on se voit dans une prochaine vidéo parce que du coup, voilà, ce soir ça va être speed, speed, speed parce qu'il faut que je lave la maison, il faut que je me lave moi, il faut que je sorte ma chienne et que j'aille laver ma voiture à fond parce que vraiment là, enfin, je vais faire juste l'extérieur mais il faut vraiment que je le fasse. Donc voilà. Et que je fasse un peu de sport si j'y arrive. Donc c'est pour ça, au cas où, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse. J'espère que ce petit vlog, on va dire, de ma routine télétravail qui se termine. Enfin franchement, ça tombait à pic cette vidéo, le dernier jour de télétravail. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un peu ça ma routine depuis un peu plus d'un mois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis dites-moi vous si vous êtes en télétravail ou non, dites-moi ce que vous faites dans la vie, etc. Enfin bref, si vous voulez discuter un peu en commentaire, c'est sans problème. En tout cas voilà, je vous embrasse, je vous quitte et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.